les listes déroulantes. Dans la partie concernant votre identité, on va essayer de récupérer d'autres informations socio-démographiques, comme la catégorie socio-professionnelle. Pour varier, plutôt que de faire une question à choix multiple, réponse unique, on va plutôt essayer d'avoir une liste déroulante. Alors, il s'agit de rajouter une question. Donc, pour rajouter une question, on va cliquer sur le petit plus. Celle-ci va se positionner à un certain endroit qu'il faut identifier. Elle s'est mise tout en haut. Donc, je vais la descendre. Je vais redescendre dans la partie, dans la section Votre identité. Je vais la mettre à la suite de la situation matrimoniale. Et on va poser la question qui est à quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous? Ça, c'est le libellé. Ensuite, on va bien sélectionner le type liste déroulante à la place de choix multiple. Et on va donner les différentes modalités. Donc la première sera agriculteur exploitant. La seconde, artisan commerçant et chef d'entreprise. Cadre et profession intellectuelle supérieure. Profession intermédiaire. Employé, on peut en mettre comme ça beaucoup, hein. On va quand même bientôt arriver à la fin, ouvrier, retraité, et sans activité professionnelle. Voilà, ça me donne la liste complète des CSP. On va donc voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue visuel. Donc je vais cliquer sur le petit œil. Je vais directement à la quatrième partie. Par contre, il faut que je réponde à cette question que j'ai déclarée obligatoire. Et nous avons ici, à quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous? Et je peux ouvrir et sélectionner la valeur que je souhaite.